Frankrijk. Bonjour. De basis van onze Europese beschaving. Ik woon hier al 12 jaar met heel veel plezier. Maar sinds de recente gebeurtenissen vraag ik me wel af in wat voor land ik leef. Hoe denken de Fransen eigenlijk over zichzelf? En staat Frankrijk echt op instorten? Mei 2017. Nachtmerriescenario. Marine Le Pen wordt president van Frankrijk. Het is de dochter van de man die met zijn extreemrechtse vriendjes een salonveege partij oprichtte. En vanaf de jaren 70 langzaam die club uitbouwde. Dat is natuurlijk fictie, maar niet helemaal. Want het scenario dat beschreven is, dochter Le Pen er ontzettend goed in slaagt om steeds meer mensen bij die partij te krijgen en op hen te laten stemmen. Door maar cirkels uit te breiden, verschillende clubjes daar vast te plakken, dat bijna iedereen zich er wel thuis kan voelen. Il y a quelque chose, tu vois la chaîne. Oui, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, c'est sûr. Et tout à l'heure, elle a fait partir une poule ce dame. C'est vrai? On y va? Le con. J'ai rien dit, vous parliez, alors bon. Le con. Patricia Chagnon, geboren in Venlo en oud-schoolgenoot van Geert Wilders, zit voor het Front National in de regionale raad van Noord-Frankrijk. Samen met Marine Le Pen. Patricia is een van de vele recente overstappers van een klassiek rechtse partij naar extreemrechts. Ik ben jaren lid geweest van de UMP. Dus de partij van meneer Sarkozy. En had heel veel hoop dat die partij de zaken zo op orde zou zetten in Frankrijk. Hè? Want ik denk dat jullie dat allemaal in Nederland weten over de werkeloosheid in Frankrijk. Frankrijk was toen ik jong was. Keken wij op naar Frankrijk. Hè? Het was echt feest als wij naar Frankrijk gingen. Vandaag de dag zijn mijn vrienden en kennissen hebben zoiets van... nou, succes hè, in Frankrijk, heb je alles bij je, weet je al, ben je naar Albert Heijn geweest. Ja. Dus het gaat heel slecht, economisch gaat het heel slecht in Frankrijk. En ik had dus heel veel hoop dat de UMP dat allemaal zou opknappen. En de UMP heeft niks gedaan. Het Front National is ook een partij met een lange geschiedenis. En die geschiedenis wordt ook gekenmerkt door antisemitisme, racisme... Nee joh, daar ben ik helemaal niet van. Dat is de verleden tijd. Communistische partijen in Rusland zijn er ook dingen gebeurd. Je gaat ook niet aan de communistische partij vragen van... hé, luister, zijn jullie nog eens met Stalin of zo? Ik ben in de Front National terechtgekomen via de Rassemblement Bleu Marine. Dus een paar jaar geleden, 2013. En dat verleden heb ik echt niet... Dat interesseert mij niet, daar heb ik niets mee te maken. Ik kijk naar het programma, hoe het nu is en de oplossingen die er... nu gevonden moeten worden voor de problemen van dit land. Ja. In het door werkloosheid geplaagde Noord-Frankrijk ligt al heel lang een stevige basis van het Front National. De ontslagen en ontevreden arbeiders stapten massaal over van de communistische en socialistische partij naar wat toen nog de partij van Jean-Marie Le Pen was. C'est comment la vie ici? C'est une vie normale, une vie de campagne. La pêche, la chasse, le football le dimanche. C'est une vie de village. Quoi. Donc les gens sont heureux ici? On n'a pas à se plaindre. Non? On n'a pas trop à se plaindre, du moins. Mon père était mineur et mon grand-père était mineur aussi. Mon grand-père, c'est un immigré de Pologne qui est venu travailler dans les mines. Les mines dans le Pas-de-Calais sont fermées. Il en reste quelques-unes dans l'Est, normalement, je crois, mais plus beaucoup. Je vois surtout des photos de marine ici. Ils se reportent aux élections des villages. Ça doit bouger dans les 57-58%. 57-58% de Front National à qu'on est folie. Ouais. Pourquoi, vous pensez? Il y a pas mal de chômage, de précarité. Et ensuite, bon, les gens, ils veulent être tranquilles, quoi. Vous êtes collègue. Je suis militant Front National depuis 1996. 96. J'ai 45 ans, donc ça fait presque la moitié de ma vie en tant que militant. C'est énorme. Par contre, c'est la première fois aussi en France qu'il y aura uniquement une majorité de droite et de Front National. Il faut arrêter le cinéma quelque part. Hein. Arrêter quel cinéma? Ben, prendre les gens pour des cons, quoi. On nous promet beaucoup de choses et puis il n'y a rien qui vient. Donc peut-être qu'elle va le faire, j'en sais rien, mais j'espère qu'elle le fera. Ouais. Mais faire quoi, par exemple? S'occuper plutôt de la France que de s'occuper comme eux, ils font des autres pays, et puis cela, et puis tout. Ouais. J'ai qu'un exemple tout simple aussi. Il y a monsieur là-bas, il y a sa fille qui est en train de faire bâtir. Et bien, elle ne peut pas faire bâtir parce que ça rentre dans une zone qui n'a pas le droit. Donc sa fille, pour l'instant, elle est en caravane avec ses deux enfants, sans eau, sans courant. C'est une galère terrible. Aujourd'hui, regardez, voilà, ils ont mis leur caravane dessus, ils veulent quand même avoir le courant. Hein? On leur refuse le courant, que c'est eux qui payent. Ah, je ne vois pas où aller l'égalité aussi là-dedans. Hein? Comme vous voyez, comme M. Voltijac vous a dit tout à l'heure, vous avez des immigrés qui sont à Calais. Aujourd'hui, on leur amène des conteneurs qui peuvent loger à 12 dedans. Ils vont être posés sur des dalles de béton avec le courant et l'eau sur un terrain privé qui est en zone naturelle. Alors, comment on fait? Il faut être immigré ou il faut être français? Voilà. Voilà où nous sommes. Alors aujourd'hui... Je n'ai pas de réponse, moi. Il faut voter Marine. Faut voter Marine. Ah oui, non, non. La préférence nationale avant. Ah oui, moi... Ah oui. Avec Marine, les règles de zones inondables, NHU naturelles vont pas changer. Non, ça ne changera pas. Mais pour ces pauvres gens-là, ils vont passer un hiver sans courant. Ils vont faire comment avec des gosses en bas âge? Comment ça fait qu'ils ont le droit? Et les autres qui arrivent là, qui sont arrivés avec des gilets de sauvetage, qu'ils ont traversé la mer, avec des passages à 4 000, 5 000 € pour traverser la mer, ils n'ont pas d'argent. Ils ont des sous, ils n'avaient pas des territoires à côté frontaliers pour y aller. Pourquoi venir en France? Voilà, impeccable. Hein? Attention aux écologistes, ils vont voir qu'on pique un poisson. Ouais, c'est pour pouvoir rejeter le poisson. On fait comme ça, c'est pour pouvoir rejeter le poisson. Ça relate bien. Dont on parlait. Je vais aller prendre juste l'imaginaire, sinon. Je t'arrive à lire. Et donc là, on voit un monsieur... racontez-moi ce qu'on voit, vous pouvez le décrire? Bah, des personnes, soi-disant, peut-être d'origine étrangère, puisqu'ils ont un teint qui n'est pas... Et regardez les copains, le raciste blanc va travailler pour payer nos prestations sociales. Mais c'est vrai, c'est le pauvre gars français qui va travailler. Gardons l'image, hein, parce que là, vous me choquez un peu. Et vous l'avez dit, oui, Wilfred, parce que tu es un gauchiste bien pensant. Mais parce qu'on se rencontre aujourd'hui... Il se dit, voilà, vous parlez de votre vie, vous êtes sympathique, vous êtes généreux. Vous parlez du front pour tout le monde, dès qu'on a un passeport, et on bosse bien. Mais là, c'est un petit dessin profondément raciste, parce que ça montre... Non, c'est pas un dessin raciste, c'est un dessin réaliste. Ça montre des Arabes et des Noirs feignants, et un blanc qui est bien. C'est un dessin réaliste. Mais être français, c'est le pauvre con qui paye ses impôts, qui ferme sa gueule... et puis qui va bosser, puis c'est tout. ontevreden arbeiders en overstappers van klassiek rechts. Welke groepen heeft een toekomstig president nog meer nodig? Via de Front National roadmap van Frankrijk, die in mijn stripverhaal staat, vervolg ik mijn reis. Marseille. De stad is in de ban van de verkiezingen voor de regio. Hier schuift Marine Le Pen haar wat extremere nichtje naar voren als kandidaat. Marion Maréchal Le Pen. Vreemd is dan ook dat juist hier door grote groepen moslims op het Front National wordt gestemd. Hoe heeft dat zo ver kunnen komen? Là-bas, c'est le centre-ville, on va dire. Ouais. Voilà. Donc là, vous avez le centre-ville, vous avez le stade Vélodrome, ouais. Vous avez Notre-Dame de la Garde, que vous voyez en face. Mm-hmm. Vous avez le littoral, avec les bâtiments que vous voyez, les tours, c'est les bâtiments des quartiers nord. C'est quoi ça, tous ces tours-là? On appelle ça les cités, à Marseille. Voilà. Moi, j'ai grandi dans les cités. Un peu comme ces tours-là qu'on voit. C'est ça, c'est ça. C'était comment? À l'époque, c'était bien. Puisqu'il y avait toute personne de mélanger. Et maintenant, c'est vrai que ça s'est dégradé. Il y a beaucoup de drogue, beaucoup de saleté. Enfin, c'est plus comme avant. Voilà, on peut dire Chicago un peu. Certaines cités, c'est Chicago. Chicago? Ah ouais, ah ouais, ouais. Comment ça? Entre la drogue, les armes, il y a même des viols dans les caves. C'est triste quand même. Ouais. Oui, c'est très triste, c'est vrai. Pourquoi il y a de plus en plus des gens de culture musulmane qui votent aussi pour le Front National? Parce qu'ils se rendent compte comme ça se passe en France. Et donc ils ont dit il faut que ça change, parce que même eux, ils sont d'accord. Même s'ils sont nés, comme ils disent, au bled, même s'ils sont nés au bled, eh ben, qui vivent maintenant en France, ben, ils en ont marre de tout ce qui peut se passer au niveau de la France. Comme tous ces attentats et tout, il faut dire stop. Voilà, il y a un moment donné où c'est que tout le monde dit stop. Il y en a marre. Voilà. Le problème, il est qu'au jour d'aujourd'hui, on en a marre. Voilà, on en a marre. Il faut que les choses changent. La droite ne fait rien, la gauche ne fait rien. Il y a un parti qui donne des bonnes idées, qui est le parti du Front National. Moi, je crois parfois que les Français sont secrètement un peu royalistes ou bonapartistes. Ils aiment ça, la famille royale, la famille de Monaco, il y a une certaine nostalgie. Et vous avez trouvé la dynastie idéale, la famille Le Pen. Il y a le grand-père fondateur, Marine, le leader actuel, et la prochaine génération est là. Et c'est un peu la famille royale du FN. Ben, ce sont eux qui président. Donc oui, c'est un peu la famille royale, oui, on peut dire ça, la famille royale du FN. Ouais. On peut dire ça, oui. Ouais. Ouais. Un jour, elle aura peut-être son palais à Paris. J'espère. Et je l'espère de tout cœur. Ah oui, moi, c'est pareil aussi. Ah ouais. Du fond du cœur. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Deze Frédérique en Séverine zijn niet de enige afstammelingen van immigranten die op het Front National stemmen. Na arbeiders en klassiek rechtse mensen weet de partij dus ook die groep voor zich te winnen. En zo wordt de partij steeds groter. Ook dankzij de hulp van de vader van Séverine. Merde. Voilà, nous sommes prêts, comme Marion le dit. Nous sommes prêts pour demain, après-demain. Voilà. Nous sommes prêts. On va afficher lui là, parce que il n'y en a pas à le voir. Qui était là en bas? C'était le socialiste, ouais, qui a appelé à voter pour la droite. Voilà. Voilà. Celle-là, c'est ma chérie. C'est une bombe. Voilà. Les gars, pas Marine Le Pen. C'est un peu ça. Ah, ils sont pas d'accord avec vous, les gars. C'est ce qu'ils veulent. Mais c'est ça la liberté aussi. Marine Le Pen, tragique. C'est toujours pareil. Vous avez pas une réaction comme ça? Oui, tout le temps. Et vous êtes donc un peu chef collage. Ça, c'est sûr, je suis le patron du collage. Je ne vous ai pas montré, mais de partout, il y a des affiches sauvages des communistes, qu'ils ont affichées sauvages, et on ne dit rien. Si nous, on affiche une affiche, par exemple, sur un tableau de là, eh bien, on est sanctionné. C'est pas normal. je risque ma vie hein, pour afficher, c'est vrai. On a agressé, d'ailleurs un collègue, il s'est pris, il s'est fait frapper, hein, il s'est pris des coups de poing et tout. D'ailleurs, derrière, j'ai un bout de bois, vous avez pu le voir, hein, en cas de où. Ouais. Quand on fait de la politique, on fait de la politique, mais on menace personne. Parce que malgré qu'il est riche, je pense qu'on va faire un score honorable et même mieux qu'honorable. Quand on ne respecte pas les gens, qu'on se croit plus fort que les autres, ouais. J'enlève ça, je remets de la colle. Vous mettez une deuxième? Non, non. Ah! Moi, je ne le respecte pas non plus. Voilà. Voilà, monsieur Estrosi, vous êtes bien comme ça? Vous êtes à l'envers. À l'envers. Votre beau-fils, ses parents viennent d'Algérie, c'est ça? Ah, mais ils sont arabes, hein. Ses parents, ils sont arabes. Hein. Pas choqué quand votre fille a ramené quelqu'un du Maghreb? Du Maghreb, il n'est pas tellement du Maghreb parce qu'il est né en France, lui. Mais c'est vrai, ma fille, elle est tendance depuis toute petite à aimer les Maghrébins, enfin pas les Maghrébins. Excusez-moi, mais je suis fou. Excusez-moi. Pourquoi vous êtes si ému? Parce que ce qu'elle a fait, ma fille, Ik sta echt te kijken van deze tranen. Zelfs het feit dat zijn schoonzoon voor het Front National stemt, kan de pijn om zijn Arabische achtergrond blijkbaar niet wegnemen. Quand vous êtes né en France, vous êtes français avant tout. Alors moi, je suis français, je suis né en France, j'ai mon père qui est d'origine kabyle, j'ai ma mère qui est d'origine tunisienne, sicilienne, mais avant tout, je suis français. Donc c'est vrai qu'en France, on a la chance d'accueillir toutes sortes d'étrangers, mais quand vous venez en France, il faut s'adapter à la France, c'est pas la France qui doit s'adapter à vous. Et ça ne vous fait pas bizarre de voter pour un parti qui n'aurait pas accueilli vos parents? Non, c'est faux. Qui c'est qui dit ça? Qui n'aurait pas accueilli mes parents? Le Front National, en aucun cas, n'est raciste. Il n'y a pas si longtemps, le Front National dit des choses horribles sur les Arabes, sur les Juifs. Ça vous gêne pas? Non, ce n'est pas le Front National. C'est monsieur Jean-Marie Le Pen qui a eu des petits égarements, on va dire, même de gros égarements. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, il ne fait plus partie du Front National. C'est pour ça que Madame Marine Le Pen a beaucoup plus de voix pour elle parce que son père ne fait plus partie de ce milieu politique. On a essayé la droite, la gauche. Il n'y a pas eu tellement de changements. Hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est toujours pareil. Donc je vais prendre une image pour essayer de faire comprendre ce que j'ai dans ma tête. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui serait par terre, en train de mourir, et que vous avez des badauds qui sont autour et qui disent « Ah, il est en train de mourir, il est en train de mourir ». Et vous avez un électrochoc que vous pouvez prendre, l'utiliser, et qu'il y en a qui vous disent « Non, 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 vous allez le tuer ». Mais pourquoi le tuer? Il est en train de mourir. Donc pourquoi pas essayer? Donc pourquoi pas essayer le Front National? Dit enorme 18e-eeuwse paleis staat in Noord-Marseille, een van de moeilijkste delen van de stad. Veel werkeloosheid, armoede, 65% van de inwoners immigranten. En de burgemeester hier is opgegroeid in die arme flats hiernaast. Carrière gemaakt in het Front National en door de meerderheid van de inwoners verkozen om hier burgemeester te zijn. Hungarian, the sincere, I'm gonna win, the sincere. C'est ça le texte que vous avez. C'est ça, ah, oui. C'est vous un peu. J'espère, oui. Ici, en tout cas, dans ce secteur. Ce n'est pas le secteur du péché, hein. C'est pas... mais c'est le secteur où il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et c'est une cité de péché. Du péché, oui. Marseille. Un peu quand même. Hein. C'est une ville où il y a beaucoup de péchés politiques. De péchés politiques. Et comme l'empereur, vous aimez bien voilà, mettre un peu de l'ordre maintenant? C'est nécessaire, hein, pas un ordre, pas plus qu'il n'en faut, mais un ordre qui permet de vivre en sécurité, en société. Pas un ordre martial, ni un ordre militaire, ni encore moins un ordre noir. De l'ordre républicain. Qu'est-ce que c'est l'ordre noir? C'est ce dont nous accusent nos adversaires. De vouloir instaurer un ordre tel qu'il n'y ait plus de liberté publique, qu'il n'y ait plus de liberté... Pour garantir les libertés publiques, il faut qu'il y ait de l'ordre. Une grande partie de Marseille... Waouh, magnifique, hein. Et maintenant, votre parti embrasse tout ce beau monde. On embrasse tout Marseille. Balai, vous voyez, jusqu'au tour là-bas, là, du côté gauche aussi, ça va bien plus loin. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'avant on disait que le Front National est pour des gens de droite, catholiques, traditionnels, de l'ordre. Et en même temps des ouvriers. Et puis maintenant, quand vous atteignez plus de 40% des voix, c'est que vous touchez toutes les couches de la société, des jeunes, des moins jeunes, des catholiques, des musulmans. Des juifs, des homosexuels, des israélites, des homosexuels, des hétérosexuels, ça se termine où? Des ouvriers, ben, ça se termine pas. Ça se terminera jusqu'à obtenir une majorité absolue. Là, les sondages, ce ne sont que les sondages, mais nous positionnent en tête dans toutes les catégories socio-professionnelles désormais, y compris les plus élevées. Donc cela prouve bien que le discours, que les propositions du Front National touchent tout le monde. Elles ne sont pas réservées à une catégorie de Français bien définie. Le Front National est national, donc il s'adresse à tous les nationaux. Moi je suis au Front National depuis l'âge de... Enfin, j'ai adhéré aux idées, j'ai mis du temps à militer. J'ai commencé à militer tout seul vers l'âge de 16 ans. Je commandais des autocollants au siège, j'achetais les autocollants, je les collais tout seul. Donc vers l'âge de 16-17 ans. Puis vraiment j'ai intégré la structure du Front National de la Jeunesse à l'âge de 21 ans à peu près. Donc il y a 25 ans, hein, 30 ans. Donc en plein dans le Jean-Marie quoi. Jean-Marie à bloc, hein, au taquet. Les discours ont changé, c'est sûr qu'avec Marine Le Pen c'est tout à fait différent. Les équipes ne sont plus les mêmes, c'est des équipes de militants on va dire, c'est plus des équipes de gros bras, de voyous. Ça aussi, ça a beaucoup changé. Et puis la perception du Front National, la perception des militants, ne sont plus considérés comme des énergumènes ou des extraterrestres. Le message passe beaucoup mieux. Est-ce que le Front est plus ouvert comme parti politique aux, disons, simples citoyens que d'autres partis plus apparatchiks? Je le crois. J'en suis la preuve vivante. Hein. De preuve de quoi? Qu'au Front National, on peut... être le fils d'un ouvrier et devenir sénateur-maire. C'est ce que je suis. C'est vous, ça? Oui. Oui, oui, c'est moi. J'en ai bien peur. Le document qui va bien. Bonjour monsieur. Une petite blonde le matin, ça fait du bien. Bonne journée. Je ne sais pas si elle est toujours à la maison de retraite, mais ça fait 71 ans qu'on m'a mis dans la misère, moi. Que ce soit la droite ou la gauche, les gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent pour voter. Dimanche, ils ont le choix. Ils ont la tête en cacarinette. Allez, bonne journée. Merci. On va tout faire. On va tout faire au cours. Merci. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire cette affiche-là? Alors, Schengen, c'est... Sur Schengen, ça suffit, ça veut dire stop à l'immigration. L'Europe fait rentrer tout le monde. On a vu que nous, le Front National, nous avons raison. Mais en même temps, à Marseille, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune Marseillais qui n'a pas un parent, grand-parent ici de l'immigration italienne, espagnole, oui, algérienne. Même moi, je suis italien, hein, Patritti. Patritti. Mais vous? Oui, moi je suis italien, moi d'origine italienne, mais moi je respecte la France puisque je colle pour la France. Bleu, blanc, rouge, regardez, bleu, blanc et rouge, bleu, là-bas, bleu, blanc et rouge. Je suis français, moi je respecte la France. Moi je vous le dis, la main sur le cœur, la main droite sur le cœur quand j'entends Marseillaise. Mais quand je vois les footballeurs et tout là, hein, tous ces noirs, l'équipe de France de noirs là, il n'y a pas un qui chante, mais on est où? On est en France ou on est au Sénégal? Ils ne sont pas français, eux, hein, ils ont double nationalité. Alors prenez une nationalité, moi je n'ai qu'une nationalité française. Je serais prêt à faire n'importe quoi. Hein. Moi demain il y a un commando qui se monte et j'y vais, je vous le dis de suite. Hein. Et je ne suis pas un assassin, je crois en Dieu. Je dis que Dieu c'est le seul qui va régler les problèmes sur la terre. Mais là j'en ai marre. Mais moi, j'étais à Paris tout le temps, pour ne pas citer Pandin, quand je sortais du métro, c'était la planète des singes. Je suis désolé, il n'y avait pas un blanc. Hein. Il n'y avait pas un blanc, la planète des singes. Après, bon, on fait quoi hein? De verkiezingsavond in Marseille van het Front National voor de regio van de Provence, Alpen en Côte d'Azur. De peilingen geven aan dat het Front de grootste aanhang heeft. Maar omdat de socialisten zich tactisch hebben teruggetrokken, zullen al hun stemmen waarschijnlijk naar de gewone rechtse partij gaan. Zodat het Front National toch weer buiten de boot valt. Gaat deze truc weer lukken? Dat is nu de grote vraag. Et il est maintenant 20h, voici la nouvelle carte de France des régions politiques. Et on le voit d'ores et déjà, le FN n'a remporté aucune région sur cette carte en bleu foncé. En bleu, les régions remportées. Het is eigenlijk vrij ongelooflijk. Het Front National haalt geen enkele regio binnen. Ook al is het de grootste partij van Frankrijk, dat is dat rare kiesysteem hier. Ook opmerkelijk is dat de socialisten zich redelijk weten staande te houden. Maar Front National nergens. Niet in de Elzas, niet in het noorden, niet in het zuiden. Daar kan ik dan blij mee zijn, geef ik eerlijk gezegd toe, dat niet een extremistische partij gewonnen heeft. Maar het blijft toch ongelooflijk raar dat 40% van het electoraat dus helemaal aan de kant geschoven is. Nergens een voorzitter, nergens echt invloed. C'est une secte ce pays, c'est pas une démocratie. Moi c'est ce que je pense, tout simplement. Nos idées qui étaient à l'époque, je veux dire, bannies, deviennent à la mode. Enfin, à la mode, non. Deviennent réalistes, on va dire. Au vainqueur, tout aura été fait. Calomnie, mensonge, clientélisme, communautarisme, et je vous en passe depuis maintenant 10 jours. Alors ne les écoutez pas. Il n'y a pas de plafond de verre. Ce soi-disant plafond de verre était de 25% en 2010. Aujourd'hui, il est de 48%. Combien demain? populistische partij als Front National gedijt er heel goed bij. Als je kunt laten zien, we hebben de meeste stemmers, maar dankzij die gore elite komen we nooit echt aan de macht. Kijk maar nu, de meeste mensen hebben op ons gestemd. We hebben geen enkele voorzitter van de regio mogen leveren. Prachtig uitgangspunt voor de presidentsverkiezingen 2017. Opeens gebeurt er iets heel naars. Te midden van al het verkiezingstumult komt er een keurig geklede heer met een zeer felle blik op mij af. Samen met de kleerkast van een bewaker. We weten wie je bent, zeggen ze. Jij bent die militante homoactivist. We houden je in de gaten. Misschien zijn ze bang dat ik Marion Maréchal Le Pen iets wil aandoen. Maar meer nog heb ik het idee dat ze mij iets willen aandoen. We besluiten om meteen weg te gaan. Voor onze eigen veiligheid. Ik ben gewoon bedreigd. Dit was toch een bijeenkomst van die keurige democratische partij. Waar ook homo's welkom zijn. Maar Marion Maréchal Le Pen liep ooit wel voorop in de heftige demonstraties tegen het homohuwelijk. Ik besluit verhaal te gaan halen bij Guillaume. Zelf homoseksueel en lid van het Front National in Marseille. Guillaume. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Un peu dormi? Ah, ouais, oui, 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 un petit peu. C'est beau ici, si vous. Ben oui, c'est beau chez nous, c'est ce que je te disais. C'est la campagne, là. Nous sommes entourés que de jardins. On est très peu d'habitants, en fait, sur le sommet de cette colline. Mais c'est ce que je vous expliquais l'autre fois, ça ne vaut rien. Si tu veux, juste derrière ici, de l'autre côté, il y a une très grande cité qui s'appelle Fontvert, qui a une réputation très sulfureuse. Le trafic de drogue, la délinquance, la violence, le monté au braquage et compagnie. C'est des quartiers, tu sais, quand tu vis là, je te jure, et que tu es en train de fumer une clope sur ta terrasse et que tu entends une rafale de Kalachnikov, bah franchement, ça fait très bizarre. Tu vois, il y a vraiment quelque chose en toi. Nous, les Occidentaux, alors il y a des gens, ils vont rigoler. Tu parles de ça à des Israéliens qui ont connu Tel Aviv ou Jérusalem, ils vont te dire non mais ça, mon coco, c'est rien du tout. Mais c'est le début. Et donc dans cette piscine, c'était là, il y avait des jeunes. Des jeunes, oui, ils viennent, ils se baignent. Voilà. Et si t'as le malheur de dire quelque chose, ben t'as plutôt intérêt d'être un grand gaillard assez costaud et d'avoir des copains pour venir les faire sortir de ta piscine. Comment vous avez fait quand vous étiez là? Oh, bah, heureusement que j'ai 10 cousins, tu vois, donc... Ils sont tous partis? Tout le monde s'en va, tout le monde est parti déjà. Je dois dire qu'il y a 2 ans, donc moi j'ai vécu une agression dans la rue, hein. C'est là où vient l'histoire, et ça m'a quand même basculé, même si je suis calme et toujours joyeux. J'ai reçu des lettres de mort, des menaces de mort, et je me suis fait poursuivre par ces types de manifs pour tous, hein. Toujours très bien habillés, je dois le dire, hein. J'aime bien leur style vestimentaire, mais pas trop leur contenu. Et donc hier, soudainement, ils étaient là. Et à côté de ça, des types... De quoi Tu n'as pas peur que tu mènes eux au pouvoir? Non, c'est pas eux qui auront le pouvoir. Tu as vu les gens qui travaillent avec Marine, Marion, Florian, enfin, tu as discuté. Il avait des trucs organisation sur leur bord. Oui, c'est le DPS, c'est notre service d'ordre. Non, c'était pas eux. C'était pas eux. Non, c'était les mecs BCBG, quoi. Ah, c'est l'Action française ou des gens comme ça. Je sais pas. Toi, tu n'as jamais peur, là? Non, jamais. Jamais, parce que je les aime vraiment profondément et que il y a jamais eu, j'ai jamais été confronté à vraiment de, comment dire, d'une agressivité. Oui, des petites phrases, des petites piques, j'entends des choses qui sont pas glamour, tu vois, j'entends des choses qui sont pas d'un niveau, mais c'est la bêtise, enfin comment dire, la non-compréhension, elle est chez tout le monde. Jean-Marie. Pour en reparler, tu vois, parce que je me souviendrai, j'avais 14-15 ans, tu vois, j'étais déjà homo, je vivais déjà ma vie d'homo, enfin, il n'y avait vraiment aucun problème là-dessus. Et j'aimais déjà beaucoup Monsieur Le Pen, tu vois, enfin, il ne me plaisait pas pour toutes les questions dont on a parlé, mais j'aimais le gars, j'aimais la culture, j'aimais le puits d'histoire que cet homme était. Et puis, même sans avoir de notion politique et tout... J'aimais cette liberté de ton comparée aux gens qu'il avait en face. J'aimais le fait qu'il ne retourne jamais sa veste. J'aimais que ce soit jusqu'au boutiste, tu vois, un homme, un mec debout contre vent et marée. Et un jour, une journaliste, déjà à l'époque, on devait être, je sais pas, en 88 ou 90 et tout, lui avait dit mais au Front National, vous n'aimez pas les homos, tu vois, et tout. Et là, Jean-Marie lui avait dit, non, mais madame, vous n'avez rien compris, nous, les homos sont très bienvenus au Front National, ce que nous n'aimons pas, ce sont les fiottes. Op weg naar de 51% meerderheid is iedereen welkom bij het Front National. Toch is een regering waarin nichtje Marion minister wordt onder tante Marine zeker nog geen gewonnen race. Daarvoor moet er nog wel wat gebeuren. Het scenario dat in dit stripboek wordt verteld is eigenlijk het slotstuk van een heel lange en slim bedachte strategie van het Front National. Om steeds meer mensen aan te spreken. Homo's, moslims, boeren. Het lukt er goed. Alle specialisten nu voorspellen dat ze daarmee niet genoeg stemmen krijgt. Maar, zoals ook de schrijver van dit boek laat zien, als het er lukt om steun te krijgen van mensen uit de klassieke rechtse partijen, ja, dan heeft ze genoeg steun om haar programma uit te gaan voeren. En wie hebben we daarvoor? Van alle rechtse kopstukken die best wat verder naar rechts zullen opschuiven, komt er één het meest in aanmerking: Gérard Longuet. Serge Bolloc, oud-adjunct hoofdredacteur van Le Monde, kent hem nog goed. Serge, on est où ici? Ici, on est au restaurant universitaire de Mont-Saint-Aignan. Mont-Saint-Aignan qui est une petite commune à côté de Rouen. On est sur la colline qui, on va voir Rouen est en dessous là-bas. Et c'est un restaurant universitaire, il y en a plusieurs maintenant, qui s'appelle du Panorama, Restaurant du Panorama. Et racontez-moi, parce que cet endroit est un endroit spécial. Cet endroit est un endroit, oui, évidemment, un peu spécial. Là, c'était okay. Là. Ouais. Ah bah oui, c'est ça, c'est ça. Vous reconnaissez ? Je reconnais, oui, je ne suis jamais venu depuis, mais je reconnais, c'était là. Donc l'entrée du restaurant universitaire était ici. Et nous étions placés ici, oui, je pense, là. Et donc on avait une... Donc votre table était là? Oui, la table était ici, je pense. Oui. Ouais, oui, devant la porte d'entrée. Oui. Et donc on distribuait des tracts et on encourageait les jeunes à l'époque à nous rejoindre à ce mouvement contre la guerre au Vietnam. Et donc je me rappelle très bien parce qu'il y avait... Oui, c'est vite. Et là, donc on était là et il y avait du brouillard. C'était un brouillard très intense, on ne voyait rien. Et à un moment, alors qu'on était... On devait être une dizaine, on n'était pas très très nombreux, une petite dizaine. Et à ce moment-là, on surgit du brouillard. On ne voyait pas les arbres qui sont là. Et à un moment, on surgit de ce brouillard. Et vraiment, ils étaient à 10 mètres de nous. Enfin, comme sont les voitures, là, une bande, ils étaient 20-25, on n'a pas très bien vu, oui. Avec des manches de bois et de fer, très bien vu non plus, et qui criaient « Occident vaincra » et qui nous ont foncé dessus, qui nous ont attaqués. Alors, moi, il y avait la table, je sais que la table a volé sur le côté, et puis moi, à ce moment-là, j'ai pris un coup sur la tête, donc je suis tombé, et je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Mon seul souvenir, c'est que la première chose qui est apparue, c'est qu'ils ont balancé des boulons sur les vitres, et les vitres sont descendues. Ça a été le seul bruit que j'ai entendu, les vitres du restaurant qui tombaient, enfin qui éclataient, et puis après, j'ai pris ce coup sur la tête, et j'étais là... J'ai perdu connaissance très peu de temps, mais j'ai perdu connaissance un peu. Quels étaient les dégâts sur vous? Bah, j'avais le crâne enfoncé. De daders van deze aanslag bleken leden van de neofascistische knokploeg Occident. Een van hen werd niet alleen veroordeeld voor medeplichtigheid, maar wordt ook gezien als de organisator ervan. Het was Gérard Longuet. Op 23-jarige leeftijd schreef hij het eerste partijprogramma van het Front National. Later stapte hij over naar een gewone rechtse partij. Dat was beter voor zijn carrière. Gérard Longuet, oui, c'est lui. C'était quoi la carrière de cette jeune gros bras de Occident ensuite? Donc député, évidemment député très rapidement dans l'Est de la France. Et après, évidemment, grâce à ses réseaux, à l'influence qu'il avait auprès de Giscard, il devient ministre. Il a dû être ministre des Postes et Télécommunications, enfin bon, après de... Et après, bon, ça s'interrompt à l'arrivée de la Mitterrand, etc. Mais de retour aux affaires, je dirais, dans les gouvernements, sous la présidence Chirac, il a dû être au poste et ailleurs, et même sous Sarkozy, où il sera quand même ministre de la Défense de Sarkozy. Poste régalien. Je gaat nooit wie onze nieuwe eerste minister is geworden. Gérard Longuet. Wat? Maar dat is toch een liberaal centrumfiguur? Wat moet die nou met Le Pen? Sst, je moet niet over praten als je op een terras zit. Je weet het nooit tegenwoordig. Laten we eerlijk zijn, zo verrassend is het niet dat die Longuet benoemd wordt als je even kijkt wat hij allemaal in het verleden gedaan heeft. Hij was een van de oprichters van Occident, die altijd bezig was om rotzooi te zoeken met extreem links in de jaren 60. En daarna Ordre Nouveau, de voorloper van het Front National. Heeft eigenlijk alleen maar sterke punten voor haar. Hij is zelfs veroordeeld voor medeplichtigheid aan openlijke geweldpleging met wapens. Vous pensez que, imagine que Gérard Longuet va encore travailler avec le Front National, un moment ou un autre, c'est la fiction, mais il va trouver un Front National qui n'est plus antisémite, qui n'est pas islamophobe et qui aime les homos. Malheureusement, ce n'est pas le cas du Front National. C'est à nous, enfin, qui avons connu des périodes anciennes, d'essayer d'expliquer aux gens, et d'expliquer aux jeunes surtout, que derrière ces figures se cachent des gens qui sont vraiment dangereux pour la démocratie. Donc je suis d'un naturel optimiste. C'est peut-être d'avoir le crâne fondu par des fascistes dans ma jeunesse qui m'a fait que... J'ai une partie de ma tête qui croit que la démocratie sera toujours vivante. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat. Klicken Sie hier, um das empfohlene Video anzusehen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, um Updates über VPRO-Doc zu erhalten.